Bengal, Bambi. Celui qui fait de l'argent, se forme et travaille du point d'information YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait. Quand on dit que le Bénin est bourré de talent là, c'est ça qui est là. Quand on dit que le Bénin est bourré de talent là, et vous ne croyez pas là, voilà la preuve qui est là. Je me demande, avec tous ces talents là, béninois, pourquoi la musique béninoise est encore à ce niveau? Pourquoi la culture béninoise est encore à ce niveau? Est-ce que c'est parce que nos artistes béninois ne font pas du bon boulot? Est-ce que c'est parce que nos artistes béninois ne considèrent pas
la musique comme une entreprise? Est-ce qu'ils prennent la musique simplement comme une passion? Point d'interrogation. Dans d'autres pays, on voit des artistes qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment riches, qui profitent vraiment de leur passion qu'est la musique. Parce qu'ils ont considéré la musique comme une entreprise, comme une activité professionnelle bien définie. Puis ils s'amusent pas avec ça. À qui la faute? Qu'est-ce qui se passe réellement avec tous ces talents, avec ce qu'on voit là? En tout cas, moi je sais que le Bénin est bourré de talents et qu'on a encore beaucoup de choses à prouver. Mais parce qu'il n'y a pas le soutien. Parce qu'il y a d'autres qui disent que quand on sort des chansons, vous n'écoutez pas, vous ne streamez pas, vous ne partagez pas. Bon, ils ont raison aussi. Sinon, les artistes que moi je ne connais pas, c'est de rien ici. Normalement, eux, ils méritent normalement des millions de vues en une semaine. Mais ils prient Dieu. Ils font des cadeaux. Même pour faire 100 000 vues. En tout cas, on est là, parce qu'on va commencer. Ce qui est sûr, on évolue. Moi, je sais qu'on évolue. C'est vrai, il y a des fois, tout tombe dans l'eau. Hein. Il y a des artistes qui disparaissent totalement du game. Mais ce qui est sûr, on n'est plus même du niveau qu'avant. On évolue. Moi, je crois réellement à nos artistes béninois. Et je pense qu'ils doivent encore redoubler d'efforts, qu'ils doivent encore se concentrer sur la musique réellement. Bref, les artistes béninois. Certains artistes béninois sont obligés d'aller faire des quoi? Des promotions pour des sites de paris sportifs pour pouvoir trouver de l'argent. Ça veut dire que la musique ne nourrit pas encore son homme mobile. En tout cas, et pas si t'es quelqu'un ici, sinon on va dire que c'est moi, je suis là pour diffamer les gens, je suis pas là pour ça. Est-ce que vous avez vraiment apprécié cette prestation, cette performance de Ayodé? Ayodé, c'est une artiste béninoise très talentueuse, multi-talentueuse même. Elle chante, elle joue au tam-tam, au bon, comment vous appelez ça, bon même, ou bien, c'est vrai, c'est ça. C'est pas dans n'importe qui, il y a des hommes à qui, si on donne ça, mais ils vont commencer par jouer de n'importe quoi, mais elle joue ça, normalement, devant tout le monde. C'est un don, hein. C'est la seule artiste béninoise qui est encore vierge. La seule artiste béninoise qui est encore vierge. C'est pas moi qui dit, hein. Ou bien, on n'est pas dans le pays. Ayodele, c'est elle qui a dit qu'elle est vierge. Avec tous ses atouts-là, avec tout ce qu'on voit sur elle, dit qu'elle est vierge. C'est-à-dire que tous les hommes qui courent derrière, tous les hommes avec qui elle chemine, c'est des losers. Et ils ne savent pas comment déboucher les choses, comment... Ah, ok. En tout cas, dites-moi si vous avez vraiment aimé cette performance de Ayodé, laissez des cas en commentaire. Profitez pour vous abonner à notre chaîne, si c'est Actualité Béninois 100%. Toi qui peux te connaître chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin, si tu peux t'abonner, active la cloche de notification. Il n'y a pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Toi qui veux qu'on décrète ton compte TikTok monétisé, vous pouvez contacter le numéro là, plus 229-51-03-71-79. Ce sera super bien fait. Famille, moi je sais que le Bénin est bourré de talent et on mérite plus que ça. La musique béninoise mérite vraiment de la réussite. Comme tout autre pays, comme le Nigeria. En tout cas, ça est de quoi il veut parler. Il va parler sans vous donner ce gros cadeau. Ça. C'est l'une de mes chaînes sur laquelle on parle de la séduction. Comment séduire un homme, comment séduire une femme, comment prendre soin de son chéri, comment prendre soin de sa chérie, comment draguer les vrais goûts. Toi qui as peur de draguer les goûts là, toi à qui on donne le goût, mais toi qui sais pas, genre une semaine de relation, te quitte, une semaine, toi, les comportements qu'il faut avoir pour garder une femme dans sa vie. Si elle te dit oui là, c'est pour la vie, elle ne peut plus te quitter. Il faut avoir des comportements. C'est pas ceux qui comptent seulement sur l'argent là. Vous allez tout souffrir en amour. Hein. En tout cas, je vous dis, le lien de la chaîne en commentaire. Allez vous abonner, profitez pour vous abonner à la chaîne. Regardez nos vidéos qui sont là-bas, famille. Ah, c'était votre champion. Grâce.